Et plop, les gens, on reprend tout de suite Cartel Tycoon, sur lequel on était en train de se rendre compte que la production de cannabis séché n'est peut-être, peut-être pas si haute que ça. En même temps, faut 25 de cannabis pour faire pour faire 3 cannabis séchés, ce qui, du coup, ça consomme vite tout ça. Hein. Avec ça, on peut même pas en faire 30, quoi. Et toi, tu vas arrêter les livraisons, je pense, pendant que t'es là. Ouais, déjà 15 000. On va te demander de revenir ici parce que c'est un endroit un peu plus central. Okay, tout va bien, on est en train de faire fonctionner pas mal de choses. Et la sauvegarde, je suppose. C'est peut-être les sauvegardes d'ailleurs qui font que qu'il y a des images qui se perdent, hein. Selon OBS, mais bon, j'y peux pas grand chose. Pourquoi toi t'es en pause? Y'a pas de blé. Y'a pas de blé parce que cette résidence décide de ne jamais avoir de thunes. On va un peu l'aider, la résidence, hein. On va un peu l'aider. Donc, il faut en vendre 200 unités de cannabis, on en a 75. Il faut vendre 700 unités d'opium, on en est à 275 et on a un petit peu de stock d'avance. voilà. On vérifie que tout marche bien, mais ça a l'air d'être le cas. Hein. À part pour ces problèmes de résidence, en fait. Et potentiellement un peu les problèmes d'entrepôt aussi. Améliorer le dépôt. C'est 47 000. Je ne trouvais pas 47 000. Et 70 000 pour l'atelier. Il y a des chances qu'on fasse l'entrepôt d'abord. Non, parce que celui-ci c'est déjà un niveau 3. Celui-là c'est un niveau combien? C'est un niveau 3. Donc on va. On va voir. Oh. Des donations de la part de Elise, ça fait un bout de temps, non? Parce que là on a quand même pas mal de terreur. Quoi? La limite a été dépassée. La résidence qui jette 2500 balles juste parce qu'elle a pas les stocks. Et où? C'est celui-là son camion? Logiquement, oui. Ici, il y a combien? Mais. Quand est-ce qu'elle va se rendre compte que l'entrepôt est à l'arrêt? Parce que. Attends. Elle est en train d'aller chercher de l'argent. Ok, toi, allez. Là.
chargement large. Ouh, c'est dommage. J'aurais bien voulu. Non. Livrer de l'argent là. Et arrêter la livraison une fois que tu y es. Et livrer de l'argent là. Et tu t'arrêtes une fois que tu y es parce que c'est tout ce qu'on a besoin. Mais on aimerait bien que cette résidence ne fasse pas en sorte de déborder. Hein. Parce qu'elle aime beaucoup déborder. Je vais dire là, c'est une bonne résidence. C'est bien, elle a plus de boulot, elle fait tout ce qu'il faut. Mais je vois qu'elle est qu'elle a pas de thunes en stock. Ah oui, parce que le port est à l'arrêt. Ah. Et nous pouvons avoir nos résidences niveau 2. Vas-y, fais une petite livraison toi. Hop, toi aussi, il faut t'améliorer. Il vous faut au moins deux. au moins deux. Deux véhicules. C'est vraiment le. Le strict minimum. Et toi, tu n'en as qu'un, mais toi. Toi, tu gères pas grand chose, donc ça va. Et justement, il vaut mieux que tu ne piques pas toutes les réserves d'argent qui sont ici. Donc l'opium, on en est à 447 sur 701. On en est un peu moins de la moitié en fait. Le cannabis, on en est pile à la moitié. Mais le temps par contre... Le temps qu'on a... il n'est pas énorme. On va pouvoir voir les autres recherches. On a 46 000, on avait dit l'atelier niveau 3. C'est trop cher. Le dépôt aussi, voilà. Qui est aussi trop cher. Ah, le dépôt, il est presque faisable. Mais maintenant qu'on économise un peu d'argent propre, eh ben, ça va petite rune. T'as envie de miauler un peu fort. Ok. Ok, ok. Voilà, vendeur de cannabis séché, c'est bon. C'est un peu limite, mais c'est bon. Et l'opium, ça va être un peu pareil. Ce qui me fait dire quand même, quoi qu'il arrive. Un atelier, c'est ok. Un atelier, c'est même pas suffisant en fait. Moi, ce que je voulais construire, c'était un dépôt qui soit dans le grand rayon. Là, on voit le grand rayon de la résidence. Ici, ça me paraît bien dans l'idée parce que ça utiliserait aussi les mêmes séchoirs. Donc on va faire un dépôt avec de l'argent sale de niveau 2 directement. Ce que j'aimerais, c'est éviter aussi qu'ils prennent trop le café. Mais au pire, ça peut ne pas être trop grave. Non, on va faire comme ça.
ça peut passer. Je sais pas si ça va passer ça. Oui. Ouais, une route en gravier quand même. Je sais pas si du coup lui on pourra lui dire d'aller à l'atelier en prenant ce chemin. Une augmentation ma vieille. J'aurais dû lui dire ta gueule hein. Elle est où? Elle est là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici j'avais mis du cannabis parce que, enfin je les avais transformés en cannabis parce que ça produit très bien du cannabis. Ah, l'armée nationale. Ceci n'est pas pratique. Il n'y a plus qu'à savoir sur quelle ville ils vont jeter leur dévolu. Ville où ou frontière. C'est gênant ça. C'est gênant, mais je peux faire un court-circuit ici. Des vrais bons légumes là qui disparaissent parce que l'armée a envie de faire un blocus. C'était pas triste. Dans ce temps je me rappelle qu'on gère cette zone là. Toi t'es pas très content qu'on t'ait pas payé depuis masse de temps. Terreur a beaucoup trop augmenté. Il faut faire diminuer tout ça. Et ne pas oublier de réaugmenter la loyauté à l'église. Qu'est-ce que nous avons d'autre à gérer? Donc j'aimerais bien augmenter la production de... cannabis. Ah oui non mais il les met 5 par 5 donc ça va assez vite en fait pour réduire son stock. Par contre, il commence à y avoir beaucoup de café. Toi, tu vas livrer un peu de café là-bas. Hein. T'as combien? Oh, il y a de l'opium ici. Ouais, un petit peu. Il n'y en aura que 3 peut-être. Peut-être que ça servira à rien. Mais c'est pas grave, ici on a 200 légumes fourrés sur 200. Toi... Il est rempli de légumes mais toi tu... Ouais, de toute façon t'as pas de stock.
Et que vois-je? Il n'a pas l'air de gérer d'autres plantations que celle-ci. Celui-ci gère ces deux-là. Mais... Ah... Elle me gave parce que lui donner de l'argent, si au moins ça donnait de la loyauté, ce serait cool. Mais là, genre je paye un peu d'argent propre, même pas des masses, hein, je suis pas en train de d'étendre de ouf et tout, et direct elle suspecte quelque chose. Du coup, elle me gave beaucoup. Donc on va lui dire au revoir à Rocho Gaitan. Allô? Vous avez commis une erreur fatale. Un journaliste réputé est mort alors qu'il enquêtait sur vos affaires. Les gens changent de trottoir quand ils vous croisent maintenant. La terreur augmente. Ouais, mais bon. Alors, y faire grand chose. Toi, tu commences. Le pape, là, tu commences à devenir farouche. Ce n'est pas pour me plaire. Pendant que ta ville reste coincée. Ici. Ah mais c'est à cause des vrais légumes, punaise. C'est à cause des vrais bons légumes pas fourrés que les légumes fourrés à l'opium ne partent pas du stock, punaise. On pourrait avoir beaucoup plus de café. Hein. Et bah toi, si t'as trop d'argent, tu sais quoi? Il y a un cirque en ville que tu pourrais fournir. Ça nous arrangerait tous. J'allais dire, depuis que cette résidence est devenue niveau 2, ça se passe mieux, mais en même temps, ce passage-là est relativement long. Voilà. L'église, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tout se passe relativement bien. Faut que je regarde quand même lui un peu plus précisément. Mais oui, mais au pire, de toute manière, il peut passer par la gauche. Voilà, il va me prouver qu'il peut passer par ici pour atteindre l'atelier. C'est tout ce que je lui demandais. C'est donc parfait. Quoi?
Il fallait pas racheter ici. Go. Soit j'ai entièrement buggé, soit c'est le jeu qui a buggé, soit il y a une mécanique que je ne comprends pas trop, et on n'a peut-être pas besoin de racheter tous les... toutes les zones. Oui. Oui, il faut livrer un peu d'argent pour que le pape soit payé. Il n'y a plus de thunes ici du coup. Arrêtez les livraisons. Toi comme résidence, oui, ce port, tu arrêtes de te fournir là-bas. Oui, tu... c'était le mauvais apparemment que j'ai mis, mais n'empêche que t'arrêtes. Ici, non, ici il faudrait quand même que tu y ailles. On va faire une petite livraison quand même. À la ville. J'aurais dû faire affaire avant avec elle. La terreur. Lui, on peut pas lui demander, on peut rien lui demander de toute façon, jamais. Voilà. Je pense que c'est long son trajet. Et la DEA qui... qui embête tout le monde. Ici, comment ça se passe? Ici, on n'a plus que des légumes. C'est très bien. Des légumes fourrés, c'est très très bien. Par contre, le café, on pourrait tellement en envoyer plus. Ici, comment tu vas, toi? Toi, tu as du café. Hein, t'as un bon stock de café, mais le cannabis séché, c'est pas... c'est pas ça, hein. J'aimerais tellement pouvoir faire des chaînes d'ateliers, de dépôts. Dire bah toi tu envoies à ce dépôt et ce dépôt gère l'approvisionnement de tous les ateliers à côté de lui quoi. Ça serait beaucoup plus simple. Il aurait qu'un seul long trajet à faire, celui au dépôt un peu loin, l'autre dépôt un peu loin. Il n'aurait que des trajets courts pour livrer que les ateliers. Se faire des petites chaînes comme ça. George Otzi. George. George. Il me semble qu'on a quand même diminué en stock d'opium. On a réussi à bien les couler. Ce qui est plus bien ici, on a plus de réserve d'argent. Ici, on en a masse. Ouais, tu pourrais faire une livraison ou deux. Ouais, deux. Ici, il n'y a pas de réserve d'argent. Ouvrir le profil, c'est ça que je trouvais pas comme bouton. Hop, petit montant.
Deux petites livraisons et une en ville, et ça ira bien. Ouais, c'est toi, hein. Je t'ai promis une livraison, je t'ai promis des sous, et puis t'en as pas là où tu es, donc tu es pour le moins étonné. Non, en fait une seule, parce que sinon. Sinon, tu vas passer avec 44 000. 40 200. Et ça ne va pas le faire. Hop, la ville un peu de thunes, donc ça va. C'est qui ce Joe qui n'a pas eu d'argent? Pas toi quand même. Ça va faire beaucoup d'argent en ville, hein, juste pour un gars qui se fait payer 10 dollars la journée. Ou je ne sais pas tous les combien, mais. Faire beaucoup d'argent, pouvoir faire une autre petite livraison à la résidence, voilà. Ah oui, on a beaucoup réduit en opium parce que tous les stocks du port ont été confisqués. Suis-je bête? Là, il n'y a pas de stock. Là, il n'y a pas de stock. Commence à falloir plus d'opium. On va pas pouvoir acheter le dépôt. Il est beaucoup trop cher. Et même les fermes 1. Ah, d'accord, quand c'est les fermes, quand c'est les fédéraux, c'est 120 000. Ah ouais, non, mais non. Alors que quand c'est les. Là, c'est les fédéraux, c'est 36 000. Je ne saisis pas trop. Toi, t'as pas reçu ton paiement. Ah mince, mince, non, 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 arrêtez les livraisons. Non, c'était toi. Là, je l'ai. Ouais, bah voilà, il y a 12 000 qui ont été perdus. Il va y avoir 12 000 de perdus parce qu'il a fait deux allers-retours de trop. Voilà. Pendant ce temps, le port maritime est en train de nous échapper. Alors que si il avait bel et bien été comme attendu, il avait bel et bien arrêté ses livraisons, ça aurait pu se passer. Alors, toi, tu es à niveau d'attaque 1. Toi, tu as 2 plus. Mais en fait, pourquoi s'embêter alors qu'on peut ramener la cavalerie et qui arrivera à peu près en même temps que le gang. Voilà, ici ça n'a jamais eu d'argent, on n'a jamais eu besoin, on va dire, d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser là-bas? Alors du cannabis. Est-ce qu'on peut faire pousser du café, hein? Pas vraiment, hein. Ici on pourrait, mais c'est un peu loin. Ici on pourrait se faire une plantation de café ici. Qui serait rentable. Sinon on peut transporter des légumes, faire des légumes. Légumes, cannabis, ouais. Ah bah du coup je peux pas le réouvrir. De toute façon il reste quelques heures. La terreur c'est bon. On est large en fait. Pendant qu'on repense à la terreur, on pense à l'église.
On pense enlever ce filtre aussi. Si je vois sur la minimap, est-ce que c'est... Est-ce qu'il est pratique le filtre? Il y a toute une zone rouge ici, il faudrait que j'aille voir après, c'est un peu étrange. Ça ressemble aux zones de ville. Faudra voir. Donc là, il y a pas mal de cannabis qu'on peut faire. De la coca, pas vraiment. De l'opium, pas vraiment ici non plus. Dans quasiment la même zone, on peut faire des légumes. Dans la même zone que le cannabis ici. Et du café, faudra l'importer depuis là, par exemple. Ce qui fait loin. Vous avouez. C'est un peu loin. Oui. Et l'aérodrome, j'étais en train de le zapper, c'est pas celui-là, c'est l'autre. On va boire un peu d'eau. Donc là, on essaie quand même d'augmenter la prod. Et le résultat, c'est que... Deux séchoirs niveau 1 sont largement suffisants. C'est plutôt les dépôts qui suivent pas. Si je mets une route de sable qui va de là. Oh. En vrai, pas m'embêter à aller lentement quand on peut essayer de. D'aller un tout petit peu plus vite. On peut faire ça, on peut faire ceci. Non, on peut pas. C'est trop court. Ça, c'est un peu court, mais... L'objectif, c'est vraiment de... De faire le trajet le plus vite possible. À propos de trajet le plus vite possible, on pourrait améliorer des routes, avoir des meilleures routes. On... pourrait aussi se faire des presque se faire des résidences niveau 3, mais les niveaux 2 pour le moment me conviennent. Non, ce qui est intéressant, ce serait l'atelier pour lui donner une troisième destination et plus de camions du coup qui vont avec, même s'il ne convertit pas plus vite, c'est pas si grave. Ou le dépôt niveau 3, un peu pour exactement les mêmes raisons. Je pense que le dépôt est plus important. Genre, je fais des recherches pour m'accompagner et les gens ne sont pas contents. Seigneur, excusez-moi, je suis en train d'écrire un article pour El Eco. Pouvez-vous confirmer que vous avez reçu une somme d'argent conséquente récemment? Dans quel genre de projet souhaitez-vous investir? J'applaudis l'acharnement, mais ces détails de mes affaires sont confidentiels, je ne peux pas vous aider. Comme vous voulez, mais les journalistes dans mon genre ne baisseront pas les bras aussi facilement. Les gens veulent savoir ce que devient cet argent. Sauf bien sûr si vous pensez qu'il y a un autre aspect de votre business qui pourrait être plus... qui pourrait plus m'intéresser. Je peux vous donner un scoop. Il est où? Il est à Mado toujours. Oh là là. Il est à Mado. J'aurais espéré qu'il soit dans une autre ville. Mais non. Mais non. Oh là là. Donc on a dit qu'on augmentait les dépôts pour améliorer de façon globale. Toi tu livres qu'à l'aéroport, l'aérodrome.
Aérodrome qui, en général, à chaque fois que je regarde, est à fond. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas tout le temps, tout le temps, tout le temps non plus. Là, l'avion, il part à 11. Là, il n'y a pas de stock. Là, il n'y a pas de stock. Là, il n'y a pas de stock. Ah, on a vraiment besoin de plus de fermes dans le coin. 120 000, quoi, s'il vous plaît. Du coup, on va prendre la façon un petit peu plus simple. Hop. Ah, on peut faire une plantation, non? Une petite plantation d'opium juste ici, là, trop mignonne. Hop là. On s'en fout qu'elle soit à 100%, mais elle l'est quand même. Argent sale niveau 1. Voilà. Alors du coup... Voilà. Et toi, il y a des chances qu'il faille t'augmenter quand même au moins au niveau 2. Parce que ça va faire pas mal. On en est où? On en est toujours quasiment à 400 000 d'argent sale, 60 000 d'argent propre. Mais les gens se demandent d'où vient genre 30 000 d'argent propre. J'ai trois casinos, enfin deux casinos, un cirque, une église, une compagnie de taxi, une banque qui est à l'arrêt. Mais ça, ils ne sont pas forcément censés le savoir. D'ailleurs, à l'arrêt, ce serait cool que tous génèrent un petit peu d'argent quand même, mais passivement. Genre la banque, c'est pas parce qu'on n'alimente pas d'argent que les gens ne vont pas mettre des sous en stock, quoi. Ce genre de choses, et demander des prêts, etc. quoi. Toi, t'as pas d'argent. Il y a pas d'argent en ville, oui. Bah, oui, c'est à cause de lui. Arrêtez les livraisons. Ça sera des plus petites livraisons, mais tu devrais pouvoir t'en occuper en deux livraisons, ça devrait aller. Et je pense que tu as le temps. Et donc là, ils ont demandé 65 000, alors qu'avant, elle demandait 50 000, la journaliste. Je crois. Qui fait que se débarrasser d'un journaliste, c'est tellement pas rentable. C'est pas comme si tout d'un coup j'avais au moins un certain temps avant que beaucoup de dépenses d'un coup ça se fasse voir, quoi. De quoi? Ah! Force en présence 10. Oh punaise. La baston! Et plop totor! Toi tu n'es que à 1, toi tu as 2 plus. Donc tu vas y aller. Toi tu vas arrêter tes livraisons et tu vas y aller. Toi, tu vas reprendre la dernière livraison quand même, parce que sinon, on va pas être bien. Toi, t'es qu'à 1. Tu vas quand même pouvoir y aller, hein. Ça se passe pas de ouf. Ça va. Ça pourrait être mieux.
Allez. Oui, il faut que tu reviennes à la résidence le plus vite possible. Hein. Les deux collègues sont là pour essayer de ralentir pour pas qu'on perde la résidence. En plus, c'est pour les fédéraux, du coup ils prendraient toute la zone. Génial. Si, regarde. Je viens de le soudoyer, ce journaliste. Mais bon. J'ai essayé de tuer la précédente, j'en ai eu marre et... J'aurais espéré que pouvoir dépenser de l'argent pendant plus longtemps sans souci quoi. Là il va falloir à un moment qu'on dépense de la loyauté, donc il faut en gagner un peu plus. Vu que le combat va durer très certainement un bout de temps là, on est à... Qu'est-ce qu'on te dit ? C'est pas un combat génial génial, serait-ce qu'on te dit ça. Hein. Toi tu vas y aller aussi, t'es à l'autre bout du monde, mais... Mais on a besoin de toi quand même. Ici, le casino est rempli, d'accord, apparemment. L'église, il y a pas masse de monde. Et la compagnie de taxi, ça va à peu près. Donc tu vas donner de l'argent à l'église. Tu vas répartir de l'argent jusque dans l'église. Et si je voulais faire aussi, vu que j'ai envoyé mon capot qui était poste, il va falloir que je le remplace. Lui il augmente tout. À la fin, coordinateur. Cultivateur de tout ce que tu veux. Il a la main verte. Débloque la plantation niveau 2. On s'en fiche un petit peu. Lui aussi c'est plutôt un cultivateur. Lui c'est faire affaire avec quoi? Avec de la cocaïne. Je n'ai pas ce genre de choses. Il pourra être transporteur ou avoir de la force. Mais au moins c'est un cultivateur de coca. Quand il fait des affaires en coca, c'est plutôt pratique. Cultivateur d'opium, un séchoir de... Je pense que c'est Gerardo Battista, le meilleur qu'on puisse recruter là. Avec de l'argent sale par contre, on paye hein, évidemment. Vous voulez motiver Gerardo? Trouvez de nouvelles façons de faire partir la cocaïne des dépôts pour la faire directement atterrir dans les narines des consommateurs. Cet homme d'affaires a un tempérament très colérique. Et ben on va l'engager. Et on va lui dire d'aller là. Pendant que j'y pense, la coca. Ici, on a une bonne zone. Mais sinon, c'est pas ouf. Là, il y a... une autre bonne zone mais inaccessible pour le moment pour moi. Très bien. Il faut que tu ailles voir en ville pour... Oh, ça on peut te réactiver, j'avais totalement oublié. Pour diminuer un peu la terreur en ville. Il doit gérer deux endroits à lui tout seul, c'est pas pratique, mais on est bien obligé. Ouvrir le profil, je me souviens plus si on l'avait lu au final, José Maria Casa del Val. Je crois que si, mais on va le relire parce que pourquoi pas. L'église reste une zone neutre et El Clerico Casa del Val veille au crin. Toute la communauté vient se confesser auprès de lui. Utilisez son réseau avec précaution, il peut être bien en... Il peut très bien en savoir un peu trop long sur vous. Mmh.
Mais oui, lui, il envoie de l'argent que à l'église. Donc le combat, comment ça se passe? Plutôt bien le reste. Contrôle dans un jour, ici on reprend le contrôle complet dans deux jours. Ouais. Et là, perte de contrôle dans 8 jours, donc ça va en fait, les villes ça perd le contrôle plutôt lentement. Ici 6 jours, ça va aussi. Ça devrait tenir le temps du combat. Dans l'église, je pense que oui. Toi, tu commences à avoir beaucoup de liquidités et on a vu que cette résidence, elle se fait attaquer parce qu'elle a beaucoup trop de liquidités, donc il va falloir lui dire d'aller soit sur le... soit sur la compagnie de taxi, soit au casino pour dépenser un peu plus l'argent qu'elle réussit à récupérer. Puisqu'on n'a pas non plus des espaces illimités en logistique. Et donc on devrait ici... on va construire un hôtel. Parce qu'il y a beaucoup d'espace et que je veux voir un peu à quoi ressemble l'hôtel. J'ai toujours pas bien compris. Mais regardez-le là, le journaliste. Je dépense une fois de l'argent de temps en temps. Il m'embête tout de suite. On va construire aussi une banque. Ah non, j'ai pas les sous. Est-ce qu'on peut construire un casino avec de l'argent sale? C'est parfait. 45 000 en 7 jours, la banque c'est... Non. 30 000 en 9 jours, le casino 12 000 en 7 jours. Ah oui, la banque c'est beaucoup mieux. Je pense, ouais, un casino, une église... Une église, elle est où? Organisme caritatif, on l'a pas fait celui-là, mais je vois pas l'intérêt par rapport à l'église. Et on a dit une banque si on atteint les 50 000 juste là. Et Rotokumiya, comment tu vas? Oui, et toi, tu vas arrêter de livrer la compagnie de taxi. Tu vas livrer l'hôtel dès que tu peux. Tu te remets sur la compagnie de taxi le temps d'apaiser tout ça. Alors, petite pause, voilà. Ça, tu te réactives. Toi, tu retournes à Melu. Toi, tu retournes à Puerto Roja. Et ça devrait être bon. Vu qu'on a embauché une personne, c'est-à-dire qu'on a deux personnes de libre, vu qu'on en avait déjà... On avait déjà quelqu'un de libre. Donc ça doit être bon. Ici, c'est en pause parce qu'il y a... Y a pas d'argent. Et toi, tu vas à la compagnie de taxi. Tu fais casino et église. Non, tu vas faire église et compagnie de taxi. Toi, église et casino. Je pense. Pour le moment, t'as la compagnie taxi, c'est juste pour pas déborder d'argent, mais dès que l'hôtel est construit... Mais non, mais en fait, on s'en fout. Il faudrait déjà que tu construises l'église, par exemple.
Ah, la DEA, là, qui vient faire des enquêtes, ils sont toujours gênants, la DEA. Et soudoyer, soudoyer, soudoyer. J'avais totalement oublié. Donc toi, tu vas aller dans ce port, je crois qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a pas mal d'argent de partout maintenant. Enfin, quand on compare au moment où il y avait 200 ou 300 000 dans les ports, il n'y en a plus beaucoup. Mais bon. On compare avec des sommes astronomiques, effectivement. Non mais toi je suis obligé de te donner de l'argent propre tant que le port n'est pas en fonctionnement. C'est gênant. oui, ici bâtiment. Tant qu'on y est en fait, tant que le journaliste n'est pas relibre, autant qu'on fasse tout. Hein. Est-ce qu'on fait l'organisme caritatif? On pourrait faire l'organisme caritatif. Si ça se trouve, il augmente grâce à l'argent sale. Au moins, on testera. Sinon, il y a le dépôt. Le dépôt, il faisait quoi? Une plaque tournante utilisée pour acheter et stocker des ressources, aussi bien légales qu'illégales. Capacité de réserve 300, camion 1, taille S, nom de service 0. Donc voilà, il peut faire 3 destinations, celles que je lui donnerai. Achat brut, achat en matière première basique, département de matière chimique, achète des substances chimiques en gros, et est toujours à la pointe du progrès, bien de consommation permet d'acheter des appareils et des marchandises. Ah, peut-être que c'est ça qui permet de... c'est où? De vendre des consoles et des télés. Pas, ça me fait bizarre. Je ne suis sûr de rien. Voilà, tout simplement là-dessus. Toi, t'as trop de légumes. Va en livrer quelques-uns là-bas. Tombe bien, il n'y a pas trop de stock. Il n'y a pas beaucoup de stock, un peu nulle part. Hein. Là, il n'y a pas d'argent, mais il est rempli. C'est un atelier niveau combien? Niveau 2. On va doubler la mise. Production atelier avec de l'argent sale, niveau 2. Il m'en faudrait un deuxième. Juste ici. Avec toi qui lui livre tout ce que tu peux de café. Et avec vous qui le livrez aussi. Oh. J'ai pas fait... Oh punaise, j'ai pas fait... Alors, toi aussi tu vas devoir livrer de la thune. J'ai totalement oublié de soudoyer ce journaliste. Complètement, complètement. Ici il y a 29 000, donc ça fait pas des masses. Ici il y a 50 000. Je pense qu'on va pouvoir le faire quand même, mais ça risque d'être un petit poil tendu.
Donc 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, ça devrait être suffisant. Hein. Avec lui qui fait juste son deuxième aller-retour, c'est bon. Toi, t'arrêteras la livraison. Toi aussi, je veux que t'arrêtes la livraison, mais je veux pas que tu t'arrêtes en ville, donc je vais attendre un peu. Normalement, tu vas passer par là, ouais, c'est bon. Toi aussi. Et ça va être trop juste. Arrête-toi. Faut pas non plus vider entièrement la résidence. Après, on n'est pas bien. Quand une résidence est entièrement vidée, on n'est pas... On n'est pas au mieux, quoi. Surtout quand c'est celle qui gère toute le... qui gère tout, quoi. Donc, oui, mais la terreur a augmenté à cause des journalistes. Deux fois. La presse ne vous lâchera plus maintenant, ils ont même réussi à trouver quelques photos compromettantes pour tenir votre réputation. Les paparazzi sont sur vos traces, la terreur augmente. Et là, c'était la même chose. Ouais. Et donc là, il y a bien 11 000, c'est tout bon. Non, le capot, il est bien là. Tout ça, j'arrive pas à m'étendre, à étendre mes productions, mais déjà là, je suis stupide. Non, c'est bon, il y a déjà le... Quoi, pourquoi elle fait pas? Mais j'ai l'impression qu'en fait, je produis plus assez pour alimenter mes ports actuels et gagner de l'argent. Donc, c'est un peu étrange. Il faut vraiment que je rachète tout ça, mais pour racheter tout ça, il va me falloir beaucoup d'argent propre. Et comment ça s'appelle? Les journalistes, ils vont plus me lâcher. Une banque ici et 400 balles. Ça fait quoi ça? Ça. Ah, mais ça livre une énorme zone en fait. Oh punaise, pourquoi on voit pas? Ça livre la ville, la banque, le casino, l'aérodrome, dépôt, atelier, ferme. Ah ouais, non, en fait, l'hôtel, c'est une résidence vachement améliorée. Ça dépend combien il a de camions, mais il a 1, 2, 3, 4 camions. On peut lui donner 4 destinations supplémentaires, on peut recruter des lieutenants dedans. Non, d'accord. L'hôtel est... est plutôt très efficace, ok. Non mais non, prends l'argent et emmène-la à l'église. Ça sera bien. Ici, on a trop de stock, donc toi, on peut t'améliorer. On va t'améliorer. Juste pour que tu vides les stocks de la plantation qui n'est que de niveau 1. En plus des deux fermes. Que tu fasses tes allers-retours... Oh punaise, mais comment tu peux aller te dire que qu'elle est à l'aéroport avec deux en stock, c'est bien. Oh mais non, mais arrête. C'est tout. Ah.
ça semblait dans le rayon. Je pensais que ça l'était. Ma faute, j'aurais dû vérifier. Ok. Je comprends mieux. Ça va mieux. Et oui, le dépôt niveau 3 a été recherché. Donc ici aussi, on peut avoir un dépôt niveau 3. Ce qui va théoriquement... Enfin, il atteint pas cette ferme-là. Donc on va quand même lui dire là tout de suite, mais théoriquement, même par juste effet rebond, le fait qu'il s'occupe très bien à lui tout seul de cette ferme-là, celui-ci, ben, il va être forcé d'aller à cette ferme, logiquement. Donc là, il y a encore pas mal de stock. Ah, on est à quasiment 100% de cannabis. Par contre, le cannabis séché, évidemment, il est toujours à zéro, quasiment. Donc, c'est le moment où les séchoirs... On pourrait en avoir plus ou des un peu plus améliorés. Du coup, on va produire un autre séchoir. On va le mettre... Voilà, ici... Hop, hop. Oh non, ça devrait aller quand même. Et toi, t'es obligé de faire tout le tour, ce qui n'est pas ouf. Surtout qu'ici, j'avais pas réussi à l'améliorer. Mais maintenant, c'est fait. Dans l'autre sens, voilà. Et Plopflo, comment tu vas? Alors, on répartit sur trois séchoirs. Le troisième vient d'être construit, mais sa réserve de cannabis est déjà au maximum parce que les dépôts veulent juste ne pas stocker du cannabis non séché s'ils le peuvent. Bon, sur ce, l'épisode fait déjà une heure, donc on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.